Ok. Deuxième. Ok, on est parti. Tire la question. Oui. Alors, refuge, slip ou caleçon ? Mouton noir ou mouton de panurge ? Ben. On te laisse répondre à cette question. Ça soit spontané ? Mouton noir. Voilà. Bah oui, mou. Donne-moi les... Oui, les papiers. Tiens. Alors. Verre à moitié vide ou verre à moitié plein ? À moitié plein. Complètement plein. On fait de la musique. Ouais. C'est pas la question. On n'a pas le choix. Viande ou tofu? Bon, non, bah, viande. Ah, ouais. Il en manque une hein, qui répondrait très différemment c'est de nous. C'est ça. Gazon, elle nous dirait du gazon. Oui, c'est plante. Ça, des graines. Graines. Des huiles essentielles. Viande, pâté, terrine, terrine, canard. De tout. Le chien. Pas le chien. Non, que lui qui bouffe du chien. Ah, ou bah vas-y. Ah non, mais j'y arriverai pas. Libre, arbitre ou déterminisme ? Libre, oula, question philosophique. Ah, philosophique. Je te laisse répondre à ça. Trouver le libre arbitre dans le déterminisme, par exemple. Est-ce que tu crois en la destinée ? Entre deux, il y a l'autodéterminisme aussi. Genre tu te fais une genre tu t'écris une destinée et tu te dis qu'il faut passer par ça et ça et ça pour la réaliser. Non mais c'est ça. Qu'on plutôt partir sur une définition de déterminisme plutôt kantienne que spinozienne, voire un je vais petit aller pisser, peu nietzschéenne. Tu vois. C'est gênant. Voilà. Il a un master de lettres, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il n'avait pas fait de la musique tout de suite. Je vous verrai tout à l'heure. C'est encore un peu jeune. Sur des boutons. Allez, c'est lettres et boutons. Miyazaki ou Walt Disney ? Ah. Moi, j'aime bien le côté pop-corn. Alors, Disney, non, Disney, c'est bien. Je suis plus Walt Disney. Ouais, moi aussi. Ouais, bah Disney. Non, quand on était petit peu, quand on était petit, c'était quand cool. On était petit peu. Excuse-moi, on vient pas du même. Mais maintenant, je passe mon Urban Dictionary. J'avoue, je crois que les dernières bandes son des derniers Disney, c'est un peu des tartines de miel, je crois. Ouais. Maintenant, la Reine des Neiges, c'est super bien. Ah ouais, c'est pas des tartines de. Un bonhomme de neige. Si, c'est non, bien. Ça... Bon, next. Moi, j'aime bien. Nintendo ou Sega ? Ah, Sega. Sega, grave. Bien sûr. Grave, Sega. Après, Sega. Après, Nintendo est intéressant sous plein d'aspects de musiciens, justement, mais Sega, c'est plus swag. Ouais, c'est vraiment stylé. C'est Sonic, quoi. C'est genre... C'est Sonic. C'est ça, en fait. Oui, grave. Tu te fais toucher, tu perds tous tes anneaux et t'as trop le seum, quoi. Cigale ou fourmi ? Oh ouais, cigale, hein. Cigale. Bah oui. Je pense que c'est philosophique. Est-ce que tu veux nous aider ? Je pense que c'est par rapport au bas. Non. Je ne peux pas répondre à cette question. D'accord. Bon, allez, lis celle-là. Allez, celle-là. Non, lis-la, toi. Ok. Paris ou province ? Province, pour moi. Ouais, province. Clairement. Province, ouais. Sud, soleil. Le oui, sud, ouais, voilà, on est soleil, plus, bon vivre. Voilà. Ouais, je pense. Ouais, ouais. Bah, Paris, pour faire des rencontres, pour rencontrer tout un tas de gens intéressants, voilà, c'est super chouette. C'est plus ça, mais il y a aussi tout plein de gens inintéressants qu'on rencontre contre son gré. Tu veux nous faire une petite liste ? Non. En fait, le truc, c'est que comme beaucoup de gens se disent qu'il faut aller à Paris pour faire de la musique, c'est là qu'on a le plus de chances de rencontrer des gens d'un peu partout, je pense. Ouais, ça, c'est une réalité, clairement. Ouais, des gens intéressants. Bah, genre, nous, enfin, pareil, déjà, au niveau de création, si ce serait pas... pas oui, alors qu'on vient tous de villes différentes à la base, par exemple, après... Après, ouais. Clairement, pour développer sa carrière de groupe et tout, il faut faire des concerts en province et tout. C'est pas du tout à Paris que la carrière va forcément se développer le plus. Par contre, pour rencontrer tout un tas de gens passionnants, ouais. C'est vraiment the place to be. Yeah. Encore oui. Moi j'aime bien. Ouais, c'est drôle, on peut toutes les faire. Ouais, j'aime bien aussi. Tiens. Alors. C'est cool votre jeu. Pogo ou quart d'heure américain ? Ah, moi j'ai Pogo. Ma réponse. Quart d'heure américain direct. Pogo, direct. Bah, moi juste pas Pogo. C'est bien le quart d'heure américain. Je sais même pas ce que c'est. Bah, c'est quand les filles invitent les garçons.
Oh, oui, c'est génial, c'est vraiment super. Cassoulet ou McDo? Moi je viens de Toulouse, donc je suis obligé de répondre la une. Ouais, moi McDo. Hein. Eh bien sûr. Comment? Ah ouais. Le cassoulet avec la bonne croûte qui craque. Ouais, non. Ça craque et tu vas chercher la saucisse. Ouh, c'est bon. Ok. Bon, la dernière. Tinder ou à l'ancienne? À l'ancienne, quoi. Direct. Bah ouais, à l'ancienne, ça marche pas, Tinder. Ouais, ouais, c'est nul. Ah oh, bah si, ça marche. Non, non. Mais moi, c'est, ouais, c'est aucun des deux. Ouais. On n'est pas des dragueurs nés, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément, c'est ça. Non, c'est pas forcément la musique, c'est juste... Enfin, moi, c'est juste que j'y arrive pas. C'est... Oui, enfin, on pourrait parler. On parle de musique, là, tu vois. La musique, j'y arrive pas, non. Avec Refuge, on a sorti un disque, un premier mini-album en avril dernier qui s'appelle Broken Bird, suivi d'un vinyle qui va avec Winter Children, qui est un peu le deuxième single, quoi. Et en ce moment, là, on a fait plein de concerts depuis ce début d'année. On est parti, on a bougé un peu de Paris, on est allé jouer à Londres, à Gap, dans le sud-ouest, voilà. Et du coup, voilà, on est content d'être à Bourges. Et le prochain, après ça, on joue à Paris pour le Discard Day samedi prochain, et puis enfin le 22 avril. Et puis après, pour une soirée rock and roll, on a 2-3 concerts encore. Mais le gros truc du moment, c'est de préparer le prochain album. Voilà. Les deux disques sont dispo. Et les deux disques sont et les deux disques sont disponibles sur toutes les plateformes il y a des clips sur YouTube aussi, 2 clips. Ouais, et on peut commander les disques sur internet, sur le site web. On peut fouiller. Et aujourd'hui on joue pour le Rockin' Loft cet après-midi du Printemps de Bourges à 16h et ce soir on joue pour l'événement Bande de son au Nez du Vin. Et voilà, des copains. Yeah. Bravo.